Heureusement que c'est du Elseworld, sinon ça m'aurait saoulé niveau chronologie. Salut les Diciborg, j'espère que vous allez bien. Revenons sur un fait qui semble être établi dans le film Joker Folie à deux qui sortira en octobre 2024. En effet, selon des images de tournage, on a pu voir une affiche concernant Dent. Dent, pour rappel, c'est Harvey Dent alias Double Face. Donc, alors, il semblerait que Harvey Dent soit présent dans le film. Ça colle un petit peu avec le fait qu'il semble y avoir un procès, potentiellement le procès du Joker. Harvey Dent, avant de devenir Double Face, est procureur. Ça se trouve, il ne sera pas du tout en double face dans le film. D'ailleurs, je pense même qu'il ne sera pas en double face. Là où, du coup, on est en droit de se questionner, c'est si on a un double face, est-ce que, du coup, ça veut dire que ça se passe vraiment longtemps après et on a Batman également dans le film? Non. Non, 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 car des images de tournage nous avaient montré que ça se passait en 1980, je sais plus quoi, donc quelques années après les événements du premier film. Et donc, il y a un truc chronologique, une erreur de chronologie, étant donné que Harvey Dent sera déjà un adulte, alors que dans le truc normal, Harvey Dent a à peu près le même âge que Bruce Wayne. Dans certaines versions, ils sont même amis. Donc, pas de Batman dans ce film, ça c'est certain. Même si moi je reste convaincu et j'ai l'impression d'être le seul, mais je vois mal Todd Phillips en fait ne pas faire un troisième film Joker avec un affrontement où les deux personnages centraux, enfin le personnage central de toute façon restera le Joker, mais en deuxième serait Batman, parce que ce serait un petit peu, même moi je trouverais ça dommage. Qu'on ait un peu ce... Dis donc, d'abord, le Joker, son origin story, ensuite l'histoire avec Harley Quinn, il faut conclure ça avec une histoire avec Batman. Et oui, certains me diront, oui, mais ça fera un troisième Batman au cinéma, oui, mais je suis d'accord, mais c'est pour un film, c'est pour un film. Donc je pense que ce sera vraiment important, et à mon avis, Todd Phillips a envie d'avoir à un moment donné Batman dans son univers. Enfin, moi, ça me paraît logique, ça me paraît être logique, en fait. Et on sait que ça ne pose peut-être même pas de problème, regardez, on va bien avoir deux Batman au cinéma, là. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a un problème là-dedans. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, partagez la vidéo, activez la cloche, abonnez-vous sur Twitter, DC World Affair si ça n'est pas encore fait. Abonnez-vous ici, toujours plus de DC, et vive Joker. Let go and